Alors, est-ce qu'on nous entend ou pas là? Non, toujours pas. Ben, c'est bizarre là, parce que contre, je devrais avoir ouais. Est-ce que vous nous entendez? Si, c'est bon là. Bon, j'ai changé le micro, je sais pas comment faire. Oui, c'est bon, apparemment. Ok. Je sais pas, je ne sais pas, voilà, pourquoi, d'un coup, d'un seul, on n'a plus de son. Bref, rien n'avait changé, mais bon, c'est pas grave. Du coup, bonjour à tous. Bonjour à tous, donc ça y est, on est vraiment oui, là. On est là, il y a le son, désolé. Alors, pour ce soir, on va malheureusement pas pouvoir faire... ça va être un petit live. ...de petites créations, et ce sera un live assez court. Explication pour ceux qui n'ont pas Insta et qui n'ont pas pu suivre. En fait, j'ai une tendinite au niveau du bras, et je ne peux pas bouger mon bras gauche. Donc pour faire les tutos, c'est pas très évident, à une main. Et demain, on a un rendez-vous super tôt pour un examen, donc on a tenu à faire le live quand même pour... être avec vous. C'est ça, mais ça du coup ça va être un petit live un peu plus court, live, et puis voilà, parce qu'effectivement demain matin il faut qu'on décolle de bonne heure. Voilà, tu es droitière j'espère, oui, oui, je suis droitière. C'est déjà ça. Voilà, donc du coup on va faire quand même un jeu ensemble, ce sera un cool ou flotte. Bon, en fait il y aura deux jeux du coup, parce qu'on va faire un cool ou flotte avec toi, puis un petit jeu avec moi. Voilà, également. Et un jeu avec Stéphane, donc du coup ben, ça va être une voilà. Soirée jeu. Deux petits jeux, et puis voilà. Voilà. Du coup, en plus, il n'y a pas de... On n'a pas de créa à vous montrer de... La semaine dernière, parce qu'étant donné que c'était le truc avec les ficelles, on n'a pas trop reçu grand-chose par rapport à ça, ce qui paraît... On en a reçu une là, juste avant le live, mais du coup, on n'a pas pu aussi l'enregistrer. Donc, je ne sais pas si toi, tu vas pouvoir la montrer. Non, je ne l'ai pas non, encore, on l'a toujours pas encore reçu. Il y a toujours un petit peu de temps, en plus, entre ouais. Les... Voilà, à quand le prochain live, s'il vous plaît? Bah, les lives, c'est tous les mardis. Donc, voilà. J'espère que mardi prochain, ça ira mieux et que je pourrai vous faire un live normal. Peut-être qu'on sera arrivé... Qui dure le temps normal et où on pourra faire une activité. Et bon anniversaire à Rose, apparemment, bon parce anniversaire. Que c'est son anniversaire. Donc au niveau des petites sorties de vidéos, on a fait une vidéo qui est sortie... Ah oui, avec 5 jeux en voiture, tout à voilà. Fait, qui est sortie vendredi dernier. Vendredi dernier, donc avec 5 jeux à faire pour ne pas s'ennuyer en voiture. Vous nous l'aviez demandé, plusieurs personnes m'avaient demandé de faire une vidéo comme ça avec des jeux à faire en voiture, ouais. Donc on l'a faite. Même si vous ne partez pas en vacances, ou si vous êtes revenu, ou si vous ne faites pas de longs trajets, essayez d'aller la voir parce qu'elle est vraiment marrante, on s'est bien amusé à la faire. Oui. Et ça peut vous servir pour une prochaine fois. Pour d'autres choses en plus. Voilà, hein, et pour d'autres choses, parce que vous n'êtes pas obligé de faire ces jeux-là en voiture. Voilà, donc Elodie, merci. Et on a bien rigolé à faire voilà. Ça, on s'était monté un petit setup rigolo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci Yona, c'est trop gentil. Bon anniversaire à Rose, désolée, j'avais pas vu que c'était son anniversaire. Moi ouais, je l'ai dit en fait, mais bon. Ouais. Oui, on fera sans doute un numéro 2, on, numéro ouais, 2, ouais, ouais, on si attendra peut-être un prochain, une prochaine période de vacances pour le faire, mais en vrai, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Voilà. Ça et peut être sympa, et on a vu que t'avais mis plein d'idées en plus. Donc, c'est vrai, du coup, on du, coup, du coup, on a de quoi faire. Voilà, donc ouais, aux prochaines vacances, pourquoi pas. Et au niveau des vidéos qui vont sortir, ça il y en sera a une, qui arrivera vendredi soir, une vidéo vendredi soir, normalement. Alors, ce ne sera pas un tuto, puisque vous l'aurez compris. C'est un peu compliqué pour moi. Ce sera plus un haul de rentrée scolaire, voilà, où je vous présente en fait mes objets, quoi, mes fournitures coup de cœur. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé par tout aussi, ça. Même moi qui rentre pas à l'école, j'ai quand même des fournitures coup de cœur. Voilà, mon côté enfant reste là. Pas de création aujourd'hui, ben non, désolée. C'est pas possible pour aujourd'hui. Il y a Annie qui a une question. Bah écoute, vas-y, pose ta question, il n'y a pas de souci. Vous referez une vidéo jeu de ficelle. Pas sûr pour l'instant. C'est pas dans nos projets. Voilà, il y en a déjà beaucoup en fait sur la beaucoup chaîne. Sur la chaîne. Je sais pas si tu as pu les faire toutes, mais. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux. Voilà, merci Maman Grégoire pour ton petit message, il est trop gentil. Et il y a Ada aussi qui nous suit, merci aussi pour ton message, c'est super sympa. Vous allez montrer les créations du dernier live au prochain live. Oui, pourquoi pas, puisqu'il n'y en aura pas aujourd'hui. Oui, si jamais il y en a qui nous envoient entre les deux, oui, voilà, oui, si pourquoi on reçoit, pas, tout à fait. Et ça fait bim bam boum.
cool. Je vais manger des glaces à la vanille. Et ben voilà, encore une petite glace. Souvent, hein, vous mangez des glaces pendant nos... Le live va durer combien de temps environ? Donc, je dirais une bonne demi-heure. Ouais, une bonne demi-heure. On va être sur une demi-heure, je pense. Du coup, voilà. On fait quoi? On commence ta petite séquence. Je peux mettre quand même ton petit jingle. Ouais. Voilà. Donc, on commence ma séquence. Et juste avant, on a les autres messages. Donc, il y a Mama Grégoire qui nous suit. Merci d'être là. On me demande si je suis capable de chanter Anissa. Voilà. Non. Pas pour vous, en Stéphane, vrai. Il déteste cette chanson et je chante pas très bien. En fait. Si vous voulez nous entendre chanter, on a fait un clip. Ouais. Les voix, elles sont un peu améliorées, donc n'hésitez pas à aller voir le clip. On me demande si je suis tombée. Non, je suis pas tombée. En fait, je fais des mouvements répétitifs dans mon travail. Je travaille dans une pharmacie où on ouvre des tiroirs et je m'étais mis au sport et je pense que j'ai fait un mauvais mouvement aussi pendant le sport, malheureusement, qui a engendré tout ça. Alors, bon appétit du coup pour ceux qui mangent, malheureusement ceux qui n'ont pas de glace, désolé. C'est ça. Coucou Lily qui vient d'arriver, t'as rien loupé en fait, on a vu. On vient de commencer. Voilà, donc on va faire un coulouflotte, vous allez pouvoir participer avec nous et nous dire... Si c'est un coulou ou c'est un flotte, tout simplement. Voilà, tout à fait. Donc. Et bon courage à toi, YouGames. Voilà, bon courage à toi, oui aussi, et YouGames. Non, c'était YouGames, mais oui, j'ai baissé. Tu décales. J'ai louché en fait, il n'y a pas que le bras qui déconne. Hein. C'est pas nouveau ça, hein, par contre. Tu travailles où? Mais je l'ai déjà dit, bah voilà, je travaille en pharmacie. Bon, c'est parti, on va commencer le coulouflotte. Avec cette petite gomme en forme de glace, on reste dans le thème des glaces. Ah, désolée, ça sonne. Pardon, excusez-moi, je baille. Eh bien. Donc, qui pense que cette gomme coule? Qui pense que cette gomme flotte? Moi, je dirais qu'elle flotte. Qu'elle coule, pardon. Moi, je dirais qu'elle coule aussi. Alors, vous en pensez quoi? Il y a Mathéo qui dit que ça flotte. Max, je sais pas si tu avais posé une question, je l'ai pas vu en tout cas. Cool. Vous êtes nombreux à dire que ça coule. Il y a quelques-uns qui disent que ça flotte. On va avoir bientôt le verdict. Le verdict. Attention, suspense, roulement de tambour. C'est parti. Tu dis moi, pas j'ai dit cool. Cool. Moi aussi, je dis cool. Eh bien, ça coule. Bravo. Bravo à tous. Bravo à nous. Genre la fille qui est pas trop. Les deux, ça coule et ça flotte. Oui, ça aurait pu d'abord couler puis après flotter. Alors, vous avez fait quoi? Je viens de venir. Bah, on vient de commencer en fait. On fait un jeu cool ou flotte puisqu'on ne peut pas faire de tuto ce soir. Ensuite, j'ai ce magnifique petit taille crayon. Voilà. Moi, je dis qu'il flotte. Kawaii. Moi, je dirais aussi qu'il flotte jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau dans les trous, on va dire. Ah ouais, il va peut-être voilà, faire flotter. Il va peut-être faire les deux. Il va peut-être sombrer. Alexa qui mange des tic-tac. C'est bon ça. Donc cool, flotte, alors là franchement je pense que ouais au début il coule mais là il y a des trous un peu partout donc... Non, au début il flotte et au après début, il coule. Au début il flotte, oui, parce que s'il coule puis qu'il reflotte après. Les deux. Ouais cool, c'est un peu ça les deux, ouais. Voilà, bon, allez, verdict, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Et bien comme on disait, au début il coule. Il flotte. Oh, mais et à la fin il coule et en plus il s'allume. Il doit y avoir un petit peu de crayon rouge. Voilà, donc, ah mais d'ailleurs, j'ai pas mis vraiment la cam. Hop, hein, vous voyez bien en fait. Je me demande si vous voyez pas mieux comme ça finalement. Je vais peut-être laisser comme ça, je vous avance, hein, je vous recule par là. Voilà, super. Comme ça, vous voyez pas si mal. Donc, on peut dire qu'il a coulé quand même assez rapidement. Hein. Oui. Nous, on a perdu. Ouais. Ceux qu'on y flotte, on a perdu. Hein. Et voilà. Puis ceux qu'on y coule, bravo, vous avez gagné. Tout à fait. Félicitations. Alors, j'ai choisi vraiment des objets différents. On va changer un petit peu, on va passer avec de la nourriture. C'est cette noix. Qui bien, est sèche, je précise, puisque on les a eues l'année dernière. Ah oui, elle est bien sèche, en effet. Voilà. Bah, du coup, elle flotte. Moi, je dirais qu'elle flotte aussi, la noix. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, YouGames, tu peux poser une question, il n'y a pas de souci. Christelle, peut-être tu peux augmenter le son, parce que apparemment le son fonctionne. Alors, la noix, vous dites que ça coule, il y en a qui ont faim. Vous dites que ça flotte. Ça flotte, c'est sûr, ça flotte, ça coule. Ouais, moi je dirais flotte ouais, ça... aussi. Elle a failli tomber tout court. Elle a failli... ne plus flotter ou couler, elle a failli juste tomber.
Vous êtes en couple? Oui, oui, nous sommes en couple, on est même mariés. Okay. Depuis pas mal d'années maintenant. Voilà, allez, on est parti pour la noix, attention, et la noix flotte. Tout à fait, la noix flotte. La noix flotte. Voilà, elle flotte. Le suspense est terminé. Ensuite, on va changer un petit peu de thème avec cette bougie. Qui coule, clairement, pour moi. Qui coule. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle flotte. Mais je sais pas, il y a des bougies coulantes ou des bougies flottantes. Elle est quand même assez grosse. Ouais, pour moi, ouais, franchement, elle coule. Vraiment. Qu'est-ce que vous dites? Cool ou flotte pour la bougie? On attend vos réponses. Eva, elle flotte. Anaïs, elle flotte. Et puis, Saveria qui dit qu'elle flotte, puis elle coule. Tu as quel âge? Alors moi, j'ai 32. 32 et c'est pas le 33. 34, pardon. Ouais. Oui. Je te rajeunis. Qu'est-ce qu'il a ton bras? J'ai une tendinite au bras qui fait qu'en fait je ne peux pas trop bouger. J'ai plus trop mal, mais c'est un peu bloqué. Bah, depuis, normalement, depuis ce matin, t'as voilà, pas depuis ce matin, j'ai moins mal. Mais pendant quelques temps, j'ai eu vraiment très très mal. Mais c'est pour ça que les nuits ont été compliquées, on va dire. Compliquées, ouais. Les tutos, bah, j'ai pas pu avancer. Donc voilà, on va essayer de rattraper tout ça. Mais... Donc tout, beaucoup de gens disent que ça coule. Moi, j'avais dit flotte. Bah, moi, ça coule. Hein. Et elle flotte. Elle flotte. Elle flotte. Voilà. Et elle flotte vraiment quoi en plus. Et elle flotte vraiment. Je suis surpris. Voilà, donc c'est une bougie qui flotte. Oh, mais toi t'as triché, t'as testé avant. Non, c'est pas vrai. Regardez mon bras, il ballotte. Voilà, c'est tout. C'était le petit commentaire. Ouais, ensuite, on va passer à ce stabilo. Ce petit stabilo. Ouais, ça flotte. Comme ça, je pense qu'il flotte aussi. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que ça coule? Est-ce que ça flotte? Il y a... oui, le bot s'est trompé, je l'ai pas mis à jour, en fait. 9 ans, et puis Rachida, qui a 10 ans. Tu es née quand? Je suis née le 11 novembre. Voilà, donc notez bien la date, c'est un jour férié, vous pouvez y penser, si vous voulez me souhaiter mon anniversaire. alors, flotte, ouais, tout le monde met flotte. Il y en a qui mettent toujours les deux. Est-ce que c'est possible de te trouver dans une pharmacie et flotte? De me trouver peut-être dans une pharmacie. Alors, c'est possible de me trouver dans une pharmacie. Il faut se trouver où je travaille. C'est ça. Votre défi. coucou Yaël, qu'on n'avait jamais vu encore sur le live. Il y a pas mal de nouvelles personnes qu'on n'avait pas vues sur le live. Ça fait plaisir. Olivia, qui a 11 ans aussi. Donc, il y a d'autres personnes qui sont nées en novembre. Donc ça flotte. Oui, ça flotte. Ça flotte. C'est pas très dur, ça flotte. Vous aviez tous ce bon. Et Saveria qui nous suit de Corse. Dites-nous d'où vous êtes. Allez, on va repasser sur un petit truc alimentaire. Ceci est une Mirabelle. Une petite Mirabelle. Bien, je dirais que ça flotte, une Mirabelle. Ouais, moi aussi, je dirais que ça flotte. Alors, Sylvain qui me demande qu'est-ce qu'on fait, et qui n'est pas Sylvain, je crois. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais Maëlle, si je ne me trompe pas. On fait un cool ou flotte, donc on a choisi plusieurs objets et on doit deviner avant de les mettre dans l'eau si ça colle ou si ça flotte. Si ça flotte. Et vous pouvez tous partager sans problème. Participer, ça peut aider. Dans le chat. Et beaucoup disent que ça flotte. Moi aussi, je pense que ça flotte. C'est parti. Attention, ça va être là où c'est. Mais non. Ça coule. C'est cool. On a tous dit que ça flottait, ça coule. Bon, bah au moins, les reins, c'est parfait. Quoique, je vous laisse la pas. Donc, la Mirabelle a coulé. Pom, 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 pom. C'est le bruit du bateau qui coule quand on joue à la bataille navale. D'accord. Coulé. Touché. Ensuite, j'ai ce petit cube en bois, comme ça. Bah, le bois, en principe, ça flotte. Bon. Donc, moi aussi, je dirais que ça flotte, mais vu qu'on se trompe un petit peu... alors, 4 sur 6, c'est pas mal. Moi, je sais pas du tout combien j'avais. J'avoue, j'ai pas compté non plus. Je n'ai pas compté. Alors, il y a Xingzingzing Bayouz qui a 9 ans. Est-ce que tu vas faire gagner d'autres trucs? Alors, ce soir, on fait rien gagner, mais par contre, vous pouvez aller sur Insta. Prévu, ouais. Et sur Insta, il y a un concours pour gagner des matériels d'activité manuelle. Donc... n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Insta, c'est Manzabul. Tout à fait. Alors, vous dites que et ça flotte. Vous pouvez aller voir le mien aussi, même si je ne fais rien gagner. Moi. C'est un peu mitigé. Bah, pour moi, ça flotte quand même. Oui, vous pouvez aller voir l'Insta de Stéphane. On a fait mercredi, je ne sais pas si vous avez vu
un repas presque parfait. C'est ça, c'était avec pas les du enfants. Tout mercredi, parce que c'est demain mercredi, c'était lundi, je crois. Donc la première équipe, c'était Raph et moi, on a eu 6,95. Normalement, jeudi, la deuxième équipe, ce sera Stéphane et Enzo qui feront. Oui, c'est vrai que tu avais dit vendredi, mais du coup, c'est sans doute voilà, décalé. Voilà, c'est décalé à jeudi, donc, ouais. Qui feront le repas presque parfait et... ça sera en principalement sur le Insta de Stéphane, donc n'hésitez pas à aller suivre sur Insta. Il y a eu les résultats du concours sur Insta. Non, les résultats du concours sur Insta, ce sera dimanche. Le concours, il est ouvert jusqu'au 23, donc vous pouvez y aller. Donc, ce cube, tu dis que ça flotte? Ouais. Non, il va s'endormir. Désolé, je suis pas très énergique voilà, ce soir, c'est dur. C'est un cube dur. Qui flotte, mais je pense que si on le laisse un peu plus longtemps, il coule. Mais il flotte. Mais il flotte. Steph, est-ce que tu fais autre chose à part YouTube? Oui, je travaille aussi également. Je suis chargé marketing. Voilà. Alors, on a le petit badge Je peux pas, j'ai Monza. Ce petit badge-là qu'on avait fait gagner et puis qu'on a mis maintenant sur la boutique YouTube. Ouais. D'ailleurs, en parlant de la boutique YouTube, c'est pareil, j'ai reçu le matériel pour faire les nouveaux produits YouTube. Dès que mon bras va mieux, évidemment, je vous fais ça, je vous mets ça sur la boutique et puis comme ça, vous pourrez. Du coup, il y aura des petits. Alors, il y aura des porte-clés, des marque-pages et des carnets Monza Bulle et le prix sera beaucoup plus bas que le prix de la tasse, donc mais on vous dira tout ça en temps voulu. Donc c'est parti, est-ce que le badge coule ou flotte? Pas mal de personnes. Ça flotte. Moi aussi je dirais que ça flotte. Et coucou à Yam. Voilà, pour ceux qui n'ont pas Insta, je suis désolée. Le live finit à quelle heure? Alors le live il va finir, je pense, 10. Bon, allez, peut-être encore une petite demi-heure, gros maxi une demi-heure. Alors, ça flotte, le badge flotte. Flo, mon chat l'a déjà mis dans l'eau. Ça flotte, t'as déjà essayé. Flo, ton chat l'a déjà mis dans l'eau. D'accord, je croyais que t'avais mis ton chat dans l'eau pour voir s'il flottait. Je suis pas sûr qu'il aurait apprécié le chat. Va chercher ta combo. Il passe pas dans le saladier. Non. Il faut une piscine olympique pour essayer de voir s'il coule ou il flotte. Hein. Tu m'excuseras. Alors, donc, on va mettre le badge pour voir. Et le badge a coulé alors que nous, on avait dit qu'il flottait. Mais on est vraiment naze. Hein. Ouais. Bon. C'est pas notre jour de chance. Après, je pense que ça dépend. Bonne nuit, Olivia, qui doit aller se coucher. Ça dépend dans quel sens. Alors, il y a BC Crazy qui vient nous rejoindre. Ah non, il est cool. Voilà, donc évite de. Par contre, de spam. Maltraitance animalière. Pauvre petit. Oh, tu verrais notre chat comme il est gros. Je pense pas qu'il a l'air maltraité. Non. Et encore, il a fait du sport là cet été. Il a bon courage et bonne chance à Anaïs pour sa gym. Repose-toi bien. Donc, ensuite, on va passer au savon. Voilà, un petit savon. Le savon, ça coule. Un petit savon, est-ce qu'il coule ou est-ce qu'il flotte? Bon, moi aussi, je dirais qu'il coule. J'espère que tu coules. Depuis tout à l'heure, on se trompe, alors dites l'inverse de nous. Et puis, vous aurez peut-être une chance d'avoir bon. Ça sent bon. Je vais me laver en même temps. C'est bien parce qu'après, on va pouvoir se laver. Même. Le savon coule. C'est vrai, quand on lave quelque chose, on laisse le savon, il coule après, il se dégrade là comme ça, il vient tout. C'est cool le savon. Ok. Le savon, ça coule. J'ai vu ça dans mon bain. Bah ouais. Je pense aussi que c'était pas. Voilà. Effectivement, ça coule. Maintenant, il va coller partout. Ça va être sympa. Ça colle. Le savon, ça colle. Et voilà. Et donc, la pierre va être transformée, elle va être savonneuse. Voilà, c'est ça. Ensuite, il nous reste encore 3 objets. Attention, lequel choisissent. C'est un nouveau temps. C'est le passé, futur, subjonctif. Donc, cette pâte. C'est la fatigue internationale. Qui est une pâte. Mais ça coule, les pâtes. Ah non, mais ça coule. Est-ce qu'elle coule? Est-ce qu'elle flotte? Évidemment, vous le savez, quand vous mettez vos pâtes dans votre casserole, en général, elle coule. Mais peut-être si je la pose très délicatement au-dessus, elle va couler, elle va flotter. Ça coule tout le temps les pâtes. Alors, ça coule. Ça se voit que tu ne veux pas souvent cuire des pâtes. Hein. Alors, il y a William aussi qui nous regarde. Coucou. Donc, allons-y pour la pâte. Et la pâte a coulé. Bah, en même temps, t'as jamais fait cuire des pâtes. Bah si, hier midi. J'ai mis l'eau à chauffer et t'as souvent, mis les pâtes dans l'eau. Comme souvent, Julie prépare à manger. Elle commence à mettre de l'eau à chauffer et après. Le chat d'Alexia qui nous regarde. Coucou petit chat. Tu peux ronronner pour le chat. Je sais pas encore faire. Je vais miauler. Non, c'est bon, tu peux t'arrêter là.
Alors, coucou à Mejden qui est là aussi. Alors, encore deux petits objets. On a ici un Stormtrooper. Lego, moi je dirais qu'il coule. Ouais, moi aussi je dirais qu'il coule. Est-ce que le Stormtrooper coule ou le Stormtrooper Trooper flotte. Je me rappelle même plus du mot du coup. C'est un petit lapin. C'est trop mignon le petit lapin. Donc il coule. Coucou Lohan qui vient de nous rejoindre, on fait un cool flotte. Flotte, flotte, cool, cool, cool. Et il y a Rose qui nous regarde aussi, coucou Rose. Et donc, on va mettre fin à ce suspense. Et on va noyer le stand. Mais il y a un chien aussi qui regarde le live. Et le hamster, il regarde le live. C'est bien, on a les animaux aussi qui nous suivent. Bon, la prochaine fois, on fera un tuto de cuisine, comment faire des croquettes. C'est très étrange. Alors, le Stormtrooper flotte. Mais attends, vas-y. Attends, je pense que si on rajoute un peu de poids, il coule. Ah, mais ça, c'est pas bon. Non, il flotte. Bon, bah, on a perdu, hein, il flotte. Hein. Et le chat de Fatal Moon est là aussi, attention. Dédicace si à tous les chats de France. Et les chiens, et les hamsters. Si vous avez et les hamsters. Les hamsters. Maintenant, on a le droit de faire la liaison. Ouais, si bon vous avez des tortues, des cochons d'Inde et des... Mais par contre, c'est ce qu'ils sont abonnés à la rouge, chaîne. N'hésitez pas. S'ils sont pas abonnés à la chaîne et qu'ils n'ont pas activé la petite cloche, ça va pas le faire. Attention, cette fleur. On dit qu'elle flotte. Ouais. Elle flotte, cette fleur. Ouais. Toi, t'as le champ que t'as testé et qui est cool. Non. Ah bah non, je dis qu'elle flotte. Ah d'accord, ok. Je pense qu'elle flotte. Merci, Bijana. Je crois qu'il n'y a pas que toi qui es nul, Elodie, à jour. On a été très mauvais, nous aussi. Alors, ça flotte, ça coule, le chat est parti, c'est dommage, une patte de chat nous regarde. Sympa. Et Pikachu regarde le live. Au lieu de lâcher un pouce bleu, il lâche une patte de chat bleu. Il y a un Pikachu qui nous regarde. Ah ça, c'est la classe. Donc, la première chaîne de live pour les animaux de compagnie. Ceux qui disaient les deux tout à l'heure auraient pu mettre les deux. Ouais, parce que là, en fait, elle est pas vraiment coulée, mais elle est pas vraiment flottante. Elle est pas vraiment flottée, quoi. Elle est un peu des deux, quoi. Elle est entre deux eaux. Voilà, elle ne sait pas trop. Elle est mitigée. Merci, Rose. C'est trop gentil. Donc, la fleur, on a tous bon. Ouais, mais non, mais tout pour nous embêter, en fait, c'est tout. Voilà, Lily Rose qui a 12 ans et qui est dans le nord. Pas très loin, si loin de cette chaîne. Ah, ça dépend où dans le Nord, en vrai, mais bon. Oui, pour ta petite sœur, j'avais déjà dit, Wamskali, bienvenue sur notre live. Elle est floute. Voilà, elle floute. Elle est floute. Elle flotte cool. Elle floute. J'avoue, c'est ça. Alors, on a fini ce petit tour en vrai, c'est ça. Voilà. Alors, on passe à ma séquence. Voilà, passons. À la séquence 2, Stéphane. Ça veut bien se mettre. Donc, je n'arrive pas à cliquer sur le bouton. C'est la séquence de Stéphane. Et qu'allons-nous faire? Eh bien, on va faire un petit jeu, un peu comme la dernière fois. Sauf que... Alors, attendez. Non, il va falloir qu'on vérifie un truc. Oula. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que comme on n'avait pas de son, j'ai peur que... On va voir. Vous allez nous dire s'il y a du son ou pas. Est-ce que vous nous entendez? Ou est-ce que vous ne nous entendez pas? C'est ça. Donc le jeu, tu peux nous expliquer peut-être. Est-ce que vous nous entendez là le déjà, est-ce que vous nous entendez? Ou pas. Si vous nous entendez pas du coup, vous n'allez pas nous répondre. Non mais je pense qu'on va le savoir vite. Ou alors, je vous entends. Ah bon bah impeccable, merci. Ah super. C'est bon, ça fonctionne. Je te laisse. Mais ben, en fait c'est un peu la même chose que la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière c'est sur des personnages de dessins animés. Et que c'était très facile. Que là je l'ai fait sur des animaux. D'accord. J'ai croppé, zoomé sur des parties d'animal et il va falloir des que vous allez. Parties d'animal. Ouais, on va dire que oui. Je sais pas comment dire. Il va falloir qu'on devine quel est cet animal. C'est ça. Et Elodie a déjà bon. Et tu vois qu'au final, notre thème animaux de compagnie, là, peut-être. Ouais, voilà, du coup, c'était pour aller avec les. Spécial dédicace à tous les chats qui nous regardent. Donc, guépard, bah moi j'allais dire panthère, donc. Eh bien, effectivement, c'est un guépard. Mais oui, bravo, vous avez tous gagné. Qu'est-ce donc que... J'aurais dit une sauterelle. Ne dis pas si c'est oui ou non tout de suite. Je ne dis pas. On qu'en dites-vous de votre côté? Dites-vous une sauterelle ou genre une... Mince, une menthe religieuse. Il y a du sauterelle hein, quand même. Il y a pas mal de sauterelles. Bah, je dirais une sauterelle ou un criquet, ouais. Criquet vert.
Personne ne peut comprendre, mais... Non, personne ne peut comprendre. Mente religieuse ou sauterelle ou... Il y a beaucoup de sauterelles, quand même. Sauterelle. Alors, attention. Effectivement, c'était une sauterelle. Une sauterelle ou un criquet, du coup? Ben, c'est marqué. J'avais noté une sauterelle. Non, j'avais tapé sauterelle, donc écoutez, pour moi, c'est une sauterelle. D'accord, Google, bah, gros sang. Google Images m'a sorti. Je ne pourrais pas avoir ça sur moi. Cette sauterelle. Ah. Elle a des poils aux pattes et tout. Là, elle est zoomée de près, je pense. En fait, c'est surtout ça. Qu'est-ce donc? Cette chose est très étrange. Ouh, bizarre. Très étrange. Il y a des yeux. C'est un crabe. Je vous laisse répondre. Entre deux, on m'a posé la question, est-ce que ma tendinite, ça va mieux? Alors, j'ai beaucoup moins mal qu'au départ, et du coup, je prends beaucoup moins de médicaments, ce qui fait qu'on peut faire ce live, parce que au début, quand je prenais les médicaments, j'étais complètement shootée, j'avais tellement mal, de toute façon, c'était impossible de rien faire. Donc là, la douleur a bien diminué, mais je n'ai pas la mobilité de mon bras qui reste bloqué, et que je dois de toute façon garder au repos pendant encore quelques jours. C'est pour ça que nous n'avons pas fait de tuto ce soir. Voilà, donc un crabe, beaucoup disent un crabe. Vous êtes tous trop forts en fait, hein. C'est pas possible. Hein. Oh, effectivement, c'est un petit crabe trop mignon. C'est ça, chelou les crabes. Peur, quand même. J'avoue, de près, c'est un peu. Genre, il fait la gueule, tu vois. Ça fait un peu fidèle. Pas content. Nous, ensuite, c'est bien un crabe, on est trop fort. Bim bim. Vas-y, on monte le level pour la peine. Alors, ah, j'ai trouvé. T'as trouvé? Bah, je sais pas. Est-ce que c'est une aile de papillon? Ah non, pas du tout. Ah non, bon bah j'ai pas trouvé. C'est pas vraiment le même gabarit. Une vache. Moi je voyais une aile de papillon. Pourtant si c'est une vache, j'aurais dû deviner. Alors, soit une vache, soit un zèbre. Un dalmatien, mais oui ça peut être un dalmatien. Oh, ça peut être tellement de choses. Alors bah pour le coup, j'opte pour le dalmatien. Eh bien, attention, roulement de tambour. C'était une vache. C'était une vache. Bah, je suis pas une bonne normande. Pour le coup, non. Voilà. Bonne nuit, Fatamoun. À bientôt. Merci d'être venu. Qu'est-ce donc? Ça fait très peur. Hein. C'est très moche. Un poisson? Ah non, un lézard. C'est dur. C'est dur. Bon, allez, je dis un lézard contre la bouche. Alors, qu'en dites-vous de votre côté? Il y a du poisson. Un poison. Oui. Un oiseau. Un serpent, une limache. Une sardine. Ça me fait mal quand je fais. Lézard, serpent, poisson. Boulogne-sur-Mer, non, c'est pas ça. Non, c'est Lily qui nous dit qu'elle habite près de Boulogne-sur-Mer. Nous, on habite en Normandie, mais on va de temps en temps dans le Nord, c'est pour ça que tu sais que c'était pas très loin. Je viens de venir, j'ai raté quoi? Alors, tu as raté ma première séquence, qui n'était pas un tuto, mais un coup de flotte. Et là, tu tombes au bon moment, on est en train de faire la séquence de Steph, où il faut deviner quel est cet animal zoomé. Et donc, toi, tu as dit quoi, Julie? Donc, moi, je disais un lézard coup de la bouche. Eh bien, t'étais pas très loin, c'était un serpent qui ouvre la bouche. Un serpent, bravo à ceux qu'on dit. Oui, il y en a beaucoup qui avaient mis donc, serpent, bravo. Donc ce n'était pas tous les noms bizarres qu'on a eus au début. C'est ça. Qu'est-ce donc que cette chose? C'est une poule. Ah non, elle a pas de poils, la poule. Non, on aurait dit le truc là de la poule. Qu'est-ce donc? Voilà, on aurait des petits poils là quand même quand c'est zoomé. Alors, du coup, il y a de la poule quand même. Ouais. Ou un chien qui tire la main comme ça. Un perroquet. Un loup. Un tapis. Un tapis. C'est des animaux hein, quand même. Une cigogne. Ça peut être un tapis en peau d'animal. Oui, c'est vrai. Encore la maltraitance animale. On y revient. Bon, allez, poule, j'ai singe, une poule, aussi, perroquet, moi, mais... singe, poule. Allez, on y a beaucoup poule, à dire poule, et effectivement, voilà, c'est une mais poule. C'est vrai qu'on dirait qu'elle en fait, des poils. De près, c'est vrai qu'on dirait des poils. Voilà. C'était pas facile. Qu'est-ce donc? Ah, ça, je pense savoir. Ah oui, tu penses savoir. Pourquoi tu penses savoir? Ah oui, je l'ai vu en plus. Bon, bah, je dis rien parce que j'ai vu quand Stéphane l'a préparé. Parce que je lui triche. Non, ça se voit là. Tu triches. Voilà, il trouve tout de suite. Hein. Ça se voit quand même. Un chat. Je pensais pas que tu l'aurais mis, tu vois, du coup, vu que j'avais vu. Ours. Mais vous êtes trop fort en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, il va falloir que j'invente des jeux beaucoup plus durs que ça. Effectivement, c'est un ours. Il est trop beau. Bah moi je voulais que tu fasses un jeu avec des œufs. Mais bref. Qu'est-ce donc? Un alpaga. Ah mais non. C'est marqué un lama ou un alpaga. Bon voilà, on a la réponse hein. Je suis dégoûté, c'est noté, il était trop bien celui-là. Je l'aimais trop. Bah, j'avais trouvé sans voir. En fait c'est la... Certains on arrive à ne pas trouver la quand douce. même. La douceur.
Il y a la réponse. Par là, il y a la réponse. En bas à gauche. Désolé hein, pour ceux qui se trompent, mais c'est noté. Un escargot. J'ai fait une petite erreur. Peut-être qu'il y a un retard. Parce oui, effectivement, c'était, c'était un petit lama qui avait une tête trop mignonne en plus. Et j'étais trop content d'avoir zoomé là, je trouvais ça stylé. Bref. Qu'est-ce donc ? Un chat ou une chouette ? Bah, faudrait savoir, c'est pas la même chose. Un chat. Chat ? Ouais. C'est vraiment toi. Hibou, oiseau, hibou, chat, chouette, chat, chat. Bonjour, bonjour à Oxynoxion35. Chat, 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 il y a beaucoup de chats quand même. Chat, chat hibou. SAVS. Vous êtes indécis entre un chat et un hibou. Bah ouais, c'est pas une comme quoi, les chats et les hiboux ont des ça yeux qui se ressemblent, hein, pour le coup. Bon, moi je reste sur chat. Alors, attention. Je serais trop dégoûtée si je. Effectivement, c'est un chat. Ouf, j'ai eu peur. J'ai un mini chat. Un mini. Et là, c'est le dernier, je crois. On voit une tête là. Une tête de bête bizarre. C'est un animal qu'on connaît, hein, parce que. C'est une pieuvre. Alors, non, c'est un animal que l'on ne connaît pas encore. Je l'ai découvert pour ce jeu. Donc, normalement, je devrais recevoir des scientifiques tout à l'heure pour me valider ma découverte. Mais arrête c'est pas ça que je voulais dire. Mais donc, c'est normalement, il devrait s'appeler non, moi, Lumanza. Un... voilà, on dédicace à ce live. Non, mais je dirais un truc là comme ça. Un truc là comme ça. Alors, il y a quoi ? Il y a de l'hippocampe, il y a du... coucou à mettre, du coup. Il y a de la chenille, de la tortue. Non, 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 non. Hippocampe, hippocampe, tortue. Bah, coquillage et crustacés. Non, moi je dirais un poulpe. Un poulpe ? Allez, un poulpe. Un crapaud. Je pars sur un poulpe. Tortue. Personne n'a dit un poulpe. Vous voulez pas dire un poulpe parce que je me sens seule là. Un crapaud. Ah ouais. Une chenille. Alors, du coup, je vais être désolé. Donc, c'est le dernier là. Tadadam, c'est le dernier tout à fait. Et c'était un hippocampe, bravo du plus bel effet. Du plus bel effet. Voilà. Voilà, c'est l'animal découvert, l'hippocampe Manza. C'est ça. Qui sera bientôt renommé. Tout à fait, tout à fait. Hop, je repasse là. Et tout le monde t'avait suivi à la fin quand même, et a mis ouais, poulpe pour te faire plaisir. Gentil, hein, merci, merci beaucoup. Et Elodie avait juste bravo, bravo. Non, c'est pourquoi il y avait le truc séquence je sais pas quoi qui. C'est pas grave. Séquence. Coucou Sophia. Et bien voilà. Et bien vous en avez pensé quoi de ce petit jeu en vrai ? Voilà, est-ce que ça vous a plu ou quoi ? En vrai, c'est un truc qui est sympa, je trouve, à refaire et c'est pas trop compliqué des fois. Selon le temps que j'ai. Bonjour à Eva. Et donc, c'est trop cool. Merci. Bon bah. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Moi, vous êtes trop mignon. Donc, du coup, Sandrine doit être décalée en fait. Parce qu'en fait, elle en est au chat. Et c'est vrai que tout à l'heure, elle a mis un truc qui avait rien à voir. J'aime beaucoup les hippocampes, moi aussi. J'ai fait d'ailleurs, la fille qui fait un petit placement, un tuto pour faire un hippocampe en perles si vous aimez ça. Normalement, je crois qu'il y en a un sur ma chaîne. J'espère que oui. Sinon, quand j'étais petite, je faisais beaucoup d'hippocampe en perles. Voilà, c'était l'anecdote de la soirée. Coucou Angelina qui est là aussi. Coucou à Xgabisnebaust. Et à Elfie aussi, coucou. Donc, le live va se terminer. Désolée, ça n'a pas duré trop longtemps, mais on espère vraiment que tout ça va bien se remettre et qu'on pourra reprendre les lives normaux. Coucou, quoi, au revoir à Noodle Dream qui nous dit bye bye. Donc, je refais un petit point quand même sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Donc, ce qui s'est passé, c'était qu'il y a une vidéo qui est sortie. Sur des ça jeux fait à en voiture. Faire en voiture, vraiment des on jeux super sympas. Au revoir à ceux qui s'en vont, bonne soirée, merci. On a pris notre plus belle voiture. C'est moi qui conduisais, alors attention, il y a les qui se poussent. On vous a fait 5 jeux qu'on peut faire en voiture, mais évidemment qu'on peut faire chez soi, sans être en voiture, on a bien rigolé. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'est la dernière qui est sortie sur notre chaîne.
Ensuite, ce qui va sortir à partir de vendredi, normalement, une vidéo All Back to School. J'ai pas pu faire de tuto encore à cause de mon bras. J'espère pouvoir en faire un, vraiment. J'avais plein d'idées. Oui, c'était prévu. Il y avait on avait tout planifié. Voilà. Mais, je regarde pas trop la route. Non, c'est vrai que je regardais. Non, mais dans la vraie vie aussi, hein, c'est le problème. Au revoir à tous ceux qui doivent partir. Et donc, j'ai fait un haul avec les fournitures scolaires. Coup de cœur qui me plaisent vraiment. Normalement, je dois reprendre une petite formation du soir, peut-être, c'est pas encore sûr, pour mieux vous présenter les choses, enfin, qui a un rapport avec la chaîne. Donc, j'avais besoin aussi de matériel, et puis après, voilà. Donc, ça, vous pouvez voir vendredi cette vidéo-là. Je vous présente des trucs trop kawaii, trop beaux, donc allez voir. Ça change un petit peu de la différence. Pourtant, je prends plus trop de médicaments, j'en prends plus. Là, t'as plus l'excuse de la morphine, là, pour le coup. Là, il n'y a plus morphine. Donc, ça change les vidéos habituelles, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien les hauls, qui aiment bien découvrir des choses. Ça sera vendredi. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, bientôt, il y aura des nouveaux objets sur la boutique. Oui. Au revoir, des nouveaux objets sur la boutique. On a reçu enfin le matériel, il ne nous manque plus qu'un bras pour finaliser tout ça. Donc, normalement, il y aura un porte-clés, il y aura un marque-page, donc tout ça fait manuellement. Stéphane a fait les designs, les images, et moi j'ai fait la construction, on va dire. Il faut que tu fasses la construction. Voilà, je vais faire la construction. Et puis, il y aura aussi des petits carnets Manzabul. Voilà, vraiment tout simple. Voilà pour le point. Et puis bah voilà, en fait on va vous dire au revoir, on va vous dire à la semaine prochaine. Vous faire rapidement le tuto de rentrée scolaire, pardon, je bug. J'ai vraiment envie de vous montrer mes idées. J'avais déjà préparé des choses et j'ai pas pu continuer. Vraiment, j'espère le faire rapidement. Si vous voulez avoir des nouvelles demain par rapport à mon examen, vous pouvez me suivre sur Insta pour les personnes qui ont Insta. J'essaierai de faire une petite story aussi sur YouTube parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui aimaient bien les stories sur YouTube. Donc pensez à aller voir vos stories. Pour l'instant, j'ai pas encore l'habitude d'en faire, mais j'essaierai d'en faire un petit peu plus. Et j'arrête de parler. Désolée, on doit terminer le live. On vous fait plein de gros bisous. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Ça nous fait du bien. Ça nous change les idées. Ça m'a presque un peu réveillée. Voilà. On vous fait plein de gros bisous. Et merci encore. Merci. Bye bye.